Yep, 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 la compagnie. Aujourd'hui, une petite surprise. Un boxeur que j'ai pu connaître très très jeune, en cadet junior. J'ai même fait des kilomètres en car jusqu'à Nancy, à Reims, pour voir ses combats. Et ouais. On savait déjà que ça allait être une légende. Et il m'a... Non, il n'y a pas de légende. Mais il m'a massé les jambes avant de monter sur le ring. Et voilà. Il me massait les jambes comme ça. Cédric Vitu. Et sa castagnée derrière. Un mec à qui j'ai mis les gants déjà mineur, c'était très très dur. Très très dur. Et je le remercie. Ça a été un grand formateur pour moi et pour d'autres boxeurs à Montataire. Et voilà, il est là. J'ai formé personne, moi. C'est toi qui m'as formé, tu m'as mis un petit KO une fois, je suis parti au vestiaire. J'ai dit, c'est quand qu'ils arrivent? Il y avait une différence de poids de 40 kilos. Ouais. Mais boxer face à un gaucher aussi rapide, aussi technique. On a sur un thème, on peut se rappeler. Quand on arrive avec des gars beaucoup plus lents, voilà. Donc je le remercie au nom de toute ma génération, au nom d'Yaya, Aldric, Ahmed. Voilà. Notre petite hache d'or, voilà. Et ben Jean-Christophe aussi quand même, parce que bon, c'est lui qui nous a initiés. Allez, à bientôt à tous, à la team. N'oubliez pas, Action Sport Solidaire, vendredi à Michelet, 18h-20h. Et Saint-Gabriel-Avez de 15h à 18h au plateau. Allez, tchuss.